Bonjour. Dans le monde de la magie, les balais suivants, qui sont le Nimbus 2001, le Nimbus 2000, l'éclair de feu et la comète 360, peuvent appartenir aux maisons de Poudlard, donc Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, mais ils ont quand même une maison qui leur est propre. En voici le nouveau thème Harry Potter. Dans la maison Gryffondor, je vais placer le Nimbus 2000. Je m'explique. C'est un balai, comme vous le savez, qui est de couleur or, en plus d'être marron brillant. L'or est l'une des deux couleurs de la maison Gryffondor. C'est notamment pour ça que pour moi, ce balai-là fait plus référence à cette maison, par exemple. Et puis le marron, ça peut être une bonne couleur qui est intéressante d'accorder, d'associer aux deux couleurs de cette maison qui sont l'or et le rouge. Maintenant, place à la maison Poufsouffle. Je mettrai pour la maison Poufsouffle la comète 360. Je n'ai rien à dire sur ce balai. Ensuite, pour la maison Serdaigle, ça serait l'éclair de feu, car l'aspect de ce balai est très original. C'est en lien avec l'originalité. L'originalité fait partie de la maison Serdaigle. C'est l'une des caractéristiques de cette maison. Voilà. Notamment parce que le manche du balai est un peu en forme de vague. C'est en fait particulier pour un balai, je trouve. Et puis, ce qui est comme ça part un peu dans tous les sens, comme vous le savez. C'est en lien avec le côté à part, si je peux dire ça comme ça. D'un genre nouveau. Et puis, on va finir avec la maison Serpentard. Je mettrai pour la maison Serpentard le Nimbus 2001. Donc, il est de couleur, comme vous le savez, noir et argenté. L'argenté est l'une des deux couleurs de la maison Serpentard. C'est notamment par ça et à cause de ça que je l'intègre pour la maison Serpentard en priorité. Et puis, le noir est une couleur froide, comme le vert et comme l'argent. C'est notamment aussi à cause de ça. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé sur ce thème-là avec votre classement des balais dans chaque maison si vous le souhaitez. Je serai content de le savoir. Mais juste avant de conclure, je vais vous dire les points des maisons pour la réédition de la Coupe des Quatre Maisons. Alors, la maison Gryffondor finit avec un total de 340 points. Ma maison termine avec un total de 100 points. 0 point pour Poufsouffle et 0 point pour Serdaigle. J'ai dit le mot termine, mais je vous laisse la possibilité pour ceux et celles qui sont intéressés à jouer le jeu sur cette réédition de la Coupe des Quatre Maisons en voyant mes vidéos qui y font allusion et donc à répondre en commentaire aux questions, etc. Comme ça, je vais pouvoir comptabiliser des points en plus, bien sûr pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc du coup, cette réédition continue et elle sera sans doute bouclée jusqu'à la fin de l'année 2019, donc jusqu'à la fin décembre, pourquoi pas. C'est peut-être pas sûr, mais pour l'instant, ça continue. Au pire, si vraiment j'ai envie de boucler cette édition définitivement avant décembre, eh bien, je vous le dirai en vidéo.
Je vous laisse et je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao!